Oh, Paul Watson, my hero. Mais Léna, tu sais que Paul préfère les baleines? Mais oui, je sais bien, Xavier, mais c'est justement parce qu'il les défend si bien que nous sommes allés lui rendre visite sur le Brigitte Bardot, son bateau, où J-Bac, notre envoyé spécial, a pu interroger ce pirate des mers. Bonjour Léna, alors me voici presque en direct devant le Brigitte Bardot, un des bateaux de Sea Shepherd, et tout de suite, sans plus attendre, nous allons embarquer. On l'a appelée Brigitte Bardot en référence à l'amitié qui est entre Paul Watson et Brigitte Bardot depuis les années 70, quand Paul Watson luttait contre le massacre des phoques au Canada. C'était un bateau de course d'un particulier privé. C'est un des bateaux les plus rapides du monde. En 98, il a battu un record de tour du monde en 74 jours. Donc il est fait en fibre de verre, c'est pour ça qu'il est si rapide, puisqu'il est très léger. Et on l'a eu pour remplacer Lady Gill. Lady Gill, c'était un bateau en Antarctique rapide qui a été coupé en deux par des baleiniers japonais et qui a coulé au fond de l'océan. Il y avait 6 personnes de Sea Shepherd à bord ce jour-là. Ils vont bien. Well, the Sea Shepherd Conservation Society is working in all the world's oceans. Right now, we have 2 ships in the Southern Ocean. We have another one in the North Pacific. We have 3 in the North Atlantic, one off the coast of Africa. So we're involved protecting fish, whales, seals, dolphins. Our concern is for all marine wildlife, the diversity of marine wildlife, and our focus is on illegal exploitation. We're an anti-poaching organization. Well, our most difficult adversary is Japan because they're killing whales and dolphins and they're violating international conservation law with impunity. You know, we also have problems with opposing whaling by Iceland and Norway, Denmark, the Danish Faroe Islands. Aux îles Féroé, il se trouve qu'il y a un massacre qui existe depuis très longtemps, maintenant depuis des milliers d'années. Ils ont pour tradition de massacrer des globicéphales. Ils sont sous protectorat du Danemark, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, du coup, de tuer ces globicéphales par tradition, parce qu'ils le font. Ils le font depuis l'époque des Vikings. Ces globicéphales sont des animaux très solidaires les uns des autres. S'il y a un dauphin qui va partir du groupe, tous les autres vont suivre. Ce serait génial si les gouvernements venaient nous aider sur place parce qu'on en aurait besoin en soi, sauf que c'est un fait, ils le font pas. On est les seuls, par exemple en Antarctique, ça fait 10 ans qu'on y va et on n'a aucune autorité, aucun gouvernement qui vient nous aider sur place. Il y a des très gros intérêts, je pense, économiques derrière tout ça qui justifient peut-être le fait que les gouvernements viennent pas nous aider. C'est réellement un objectif et une partie importante, c'est qu'on s'en prend pas aux vies humaines, on s'en prend aux biens matériels. Tandis qu'à la différence, par exemple, des baleiniers japonais qui ont déjà pas hésité à tirer sur Paul Watson. The worst part of our job is having to witness the killing of all these incredibly magnificent creatures. But the beautiful part of it is the places that we go, some places still untouched by people. Well, the most beautiful things that we see are going down into the Southern Ocean amongst the icebergs, the ice fields, the penguins, the whales, the seals that we see down there. La chasse baleinière, elle n'est pas finie parce qu'aujourd'hui, cette année, la Norvège a battu un record de chasse baleinière. Ils ont tué 956 ou 948, je ne sais plus, ce qui est un record. Une destruction de masse des requins à l'échelle planétaire. En 25 ans, on a décimé 50% des requins de la planète. Si on continue comme ça, dans 22 ans, il n'y en a plus. Le chiffre des requins, il tue en moyenne 12 personnes par an. Nous, on en tue 14 400 par heure, soit plus de 200 000 par jour. C'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver aux océans, parce que les requins sont l'espèce la plus importante de l'écosystème des océans, puisqu'ils sont les éboueurs. C'est grâce à eux que l'océan est équilibré et propre. Et ils sont victimes de cette mauvaise réputation d'animaux mangeurs d'hommes. My hope for the future is that people will realize that we have to live in harmony with other species, that we have to understand that if the oceans die, that we die. We don't live on this planet with a dead ocean, and it doesn't matter whether you live in Paris or Tahiti. Whatever happens in the ocean affects us all. So that's the main message we try to get across, is that we have to protect biodiversity in the world's oceans. Que faut-il faire pour que les lois internationales concernant la protection des espèces vivantes soient respectées? Nous espérons, lors de la COP21 à Paris, en décembre prochain, une réelle prise de conscience et des actes qui permettront d'inverser cette tendance consumériste.